Denis, debout. C'est l'heure de se réveiller. Ton bus va venir bientôt. Bonjour maman. Qu'est-ce qu'il y a comme petit déjeuner? Qu'est-ce que tu veux manger? Je veux une omelette aux olives. D'accord. Va faire ta toilette, pendant que je te prépare ton petit déjeuner. Merci maman. J'y vais tout de suite. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je prépare une omelette pour Denis. Tu veux une aussi? Oui, pourquoi pas. Et un café, s'il te plaît. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. Aujourd'hui, je n'ai pas cours, donc je ne vais pas à l'université. Génial. Maman, je veux boire un smoothie, framboise et banane. Attends un peu. J'ai presque fini les omelettes, je vais te le préparer. Merci, mais je veux le préparer, moi-même. Peux-tu me donner la recette? Bien sûr. C'est très facile. Tous les fruits sont lavés à l'avance. Donc, commence directement par peler et couper les bananes en rondelles. Ensuite, mets les framboises et les rondelles de bananes dans le blender. Puis, ajoute un yaourt velouté nature et une cuillère à soupe de miel. Mixe-le tout ensemble jusqu'à obtenir un smoothie crémeux, lisse et épais. D'accord. Tu as raison, c'est très facile. Maman, mon smoothie est prêt. Est-ce que tu peux le déguster et me donner ton avis? Absolument. C'est trop bon. À partir de ce jour, les smoothies, c'est ta responsabilité. Nous aussi, on veut y goûter. Oui, bien sûr. J'ai préparé pour tout le monde. C'est délicieux. Excellent. Ça fait plaisir de voir que ma première tentative est un grand succès. C'est l'heure de partir, sinon, je vais être en retard pour la réunion. Merci pour ce délicieux petit déjeuner. À ce soir. Mon bus est arrivé. Au revoir. Puisque tu es libre aujourd'hui, est-ce que tu peux m'aider avec les tâches ménagères? Oui, bien sûr. Dis-moi, que dois-je faire? Alors, moi, je vais laver la vaisselle, essuyer les comptoirs de cuisine, nettoyer les éclaboussures de la cuisinière et vider la poubelle. Et toi? Tu vas faire les lits et ranger les chambres. Après,
Tu vas passer l'aspirateur. D'accord, maman. C'est compris. Maman, j'ai terminé mon travail. Y a-t-il autre chose que je peux faire? Est-ce que tu peux ranger le linge dans les placards? Bien sûr. Je vais aller faire les courses au supermarché. J'ai besoin de quelques ingrédients pour préparer le repas. À tout à l'heure. Félix, je suis de retour. Tu as trouvé tout ce dont tu as besoin? Oui. Maintenant, je vais commencer à cuisiner. Ton frère va rentrer bientôt. Tu veux que je t'aide? Non, ce n'est pas la peine. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Salut maman. Salut mon chéri. Alors, comment était ta journée? Excellente. Le professeur de mathématiques nous a rendu les devoirs aujourd'hui et j'ai eu la meilleure note. Bravo. Je suis très fière de toi. Maman, je meurs de faim. J'ai préparé du poisson grillé avec du riz. Va te laver les mains et viens manger. Génial, j'adore le poisson grillé. C'est vraiment délicieux. Maman, va te reposer. Je vais débarrasser la table et faire la vaisselle. Merci beaucoup, tu as été très utile aujourd'hui. Je t'en prie. Merci à toi, tu fais tout ce travail, tous les jours, sans te plaindre. Tu es impressionnante. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.